It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Amis de l'angoisse, nous avons un vrai gamin avec nous, une vraie gamine plutôt, aujourd'hui, devant The Children. Attends, je le mets comme ça, sinon on voit pas, pardon. De 2008, avec sa belle jaquette jaune avec et son petit chapeau rouge. Voilà, son petit chapeau rose. Qui est rose, hein, ben, d'ailleurs, c'est un scandale. Réalisé par... Ah, Tom Shanklin. C'est pour ça qu'il ne le dit pas. Hein. Voilà, c'est... Shankland. Voilà. Mot contre trip. Scrabble. Alors, bien, déjà, il est servi. Il nous a fait un film qui s'appelle Waz. W-A-Z. Deuxième mot contre trip. En 2007. Qui est un bon thriller policier relativement violent, surtout sur sa dernière partie, avec des bons acteurs. La plume empoisonnée, pardon, parce que je cherchais la un ligne. Un petit bug. En 2006, qui est à l'épisode de Miss Marple, là vous passez, vous sautez du coq à l'âne, là, c'est le cas de dire. Et No Light Is Too Long. En 2002. Mais que j'ai pas vu. Voilà. Tout son cœur. On passe aux acteurs. Donc on a Stephen Campbell Moore. Et l'ombre, et la lumière, et l'ombre. Je vais bien. Qui a fait Braquage à l'anglaise, oui, en 2008. Ce n'est pas Roger Moore, ce n'est pas Bruce Campbell, c'est Stephen Campbell Moore. Oui, ça, je viens de le lire, mais c'est pas grave. Tu essaye de donc, suivre. Braquage à l'anglaise avec Jason Statham. Ça aussi, je viens de le lire. Donc, Le Dernier des Templiers en 2011. Avec Nicolas Cage. Et Johnny English, Le Retour. Avec Mr. Bean. En 2011 également. Voilà, donc il a comme joué dans des films, on va dire, avec des acteurs connus. Et des films que souvent les gens disent, je connais peut-être de nom, à l'occasion. Anna Twinton. Ou Twinton, je ne sais pas comment on dit. Twinton. Qui a fait donc Le Livre de la Jungle. En 2016. Par contre, je ne sais plus du tout si c'est la version Netflix ou la version Disney. Je crois que c'est la version Disney. Patient Seven. En 2016. 2016, un film d'horreur qui m'intrigue beaucoup. Et Penny Dreadful de 2014 à 2016 que j'avais beaucoup aimé. Ça fait partie de ma prochaine pile de six films et séries à voir. Et puis Rachel Shelley qui a fait The Bone Snatcher en 2003. Il sera dans Les Oubliés en animaux, les fourmis du sable. C'est pour ça qu'elle avait un visage qui me disait quelque chose. Le Phare de l'Angoisse. En 1999. Oui, que belle année, ma colombe. Et The Calling. En 2000. Voilà. Donc, bonne nouvelle année 2000. Non, même pas pourquoi. Synopsisons. Deux familles se réunissent dans une maison à la campagne pour célébrer les fêtes de Noël. Un havre de repos pour les parents, un parfait terrain de jeu pour les enfants. Oui, baby, oui, you. Très vite, pourtant, ce moment privilégié prend une tournure qu'aucun des adultes n'aurait pu envisager. I feel sick. C'est pas leurs propres enfants, sous l'effet d'un mal mystérieux, se retournent contre eux avec une cruauté et une ingéniosité implacables. Tu m'as pas donné mon cadeau de Noël. Ok. Donc, tiens, on a quelques personnages là derrière. Je voulais Action Man et tu m'as donné Barbie. Monstres. Donc les petits monstres sont là. C'est le cas de le dire. Ils sont tout petits. Et c'est des monstres. Voilà. Donc, scénario. Bah, le scénario, ça reste... J'ai pas envie de dire basique, pour le coup, parce que... Pour moi, le basique, je le comprends.
Alors, bon, ce scénario d'un mal mystérieux. C'est le cas de le dire. Forme de virus. Voilà, forme de virus qui prend l'emprise d'un corps, qui s'en sert, machin. Mm. C'est déjà vu, ça. Bon. Oui, mais par contre, c'est pas... Le fait que ce soit transporté à des enfants change toujours la donne parce que l'aspect enfant est toujours un peu différent, voire même jouissif pour certains, que ce soit enfin des enfants qui tuent tout le monde. Voilà. Il faut voir aussi que là, pour le coup, on est sur un virus qui n'est pas à la The Thing. Ça passe pas d'un corps et il est plus dans ce corps-là, il est dans l'autre. C'est contamine. Alors, oui, c'est une contamination de virus. C'est-à-dire qu'il y en a un qui éternue, qui leur file à l'autre. Qui... Bon, si vous voilà, avez des gosses, vous connaissez le principe. C'est comme du zombisme, quoi. C'est pareil. Donc, il y en a une qui morve sur l'oreiller. Hein, et donc, après, tout le monde se met à morver comme des gros dégueulasses. Non, je rigole. Voilà. Non, en fait, on reste dans le principe du virus qui contamine un enfant, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Au niveau des acteurs. Au niveau des acteurs, je n'ai pas trouvé de mauvais acteurs. Pas non. Y compris chez les enfants, qui bien sûr sont des enfants, mais, oui, mais qui... parfois sont assez jeunes. Plus d'ailleurs, le plus jeune est exceptionnel. Oh. Oui, alors on tourne beaucoup autour de ce plus petit, mais après, qui va faire monter un peu les autres. Mais voilà, donc ils sont très bons, les enfants, ils ont surtout été bien sûr dirigés parfaitement. Oui, on sent qu'il y a eu un... Il y a un vrai travail, je pense, avec les enfants qui fait que vraiment ils sont très justes dans leur. La direction d'acteur a été très très bonne. C'est quelque chose qu'on ne dit pas d'habitude, mais enfin, quand il s'agit d'enfants, c'est vrai que c'est quand même des petits monstres assez ingérables. Donc voilà. Photographie. Alors, photographie, des beaux espaces. Une belle vue aérienne. Belle vue aérienne, effectivement. C'est une photographie simple. Hein. Enfin, moi, j'ai pas. À part cette vue aérienne qui vraiment est plutôt sympathique à un certain moment. Bercés, selon moi, par une très belle maison, très particulière dans sa façon d'être achalandée, d'être décomposée. C'est une maison, vous dites et en même temps, en fait. C'est étrange. Elle est bizarre. Mm. Et je pense que ça a dû leur tilter de se dire cette étrangeté. Et vous avez la beauté du fait que ça se passe dans la neige, qui embellit les choses. Dans la neige, au bord des bois. Je félicite. Alors, je sais pas, c'est le directeur photo-réalisateur, un peu les deux, France, de se fixer sur des petits détails très jolis, comme la boule de neige, c'est le seul exemple que je donnerais, mais. C'est vrai que cette façon de réaliser est quand même assez esthétique. Et il y a. Enfin, de toute façon, ils sont servis par un paysage givré, et on sait, enfin, moi je trouve en tout cas. Qu'un paysage sous le givre, comme ça, c'est magnifique. C'est très beau. La neige, le givre, hein, c'est... Ça embellit tout. Tout à fait. Et ça sert aussi le scénario dans certaines circonstances, etc. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Les effets spéciaux. Eh bien, écoute, les effets spéciaux, c'est ce que j'allais dire. Je les ai trouvés plutôt très bien. Et physiques sont... très bien accompagné, dont je vous spoil un peu, un morceau de cerveau qui sort du crâne que j'ai trouvé vraiment très bien fait. Les blessures sont très belles. Les blessures sont très belles, le sang est... Et beau, et puis dans la neige... Et pas orange, et je peux vous dire que ça fait au moins trois films. Un sang réel, un sang vrai, un sang qui a vraiment une tête de sang. Là, ah oui, il fait très réel. Très très et réel. Et justement, on a, comme on vous l'a dit en photographie, des vues aériennes du dessus et le sang est vraiment magnifique. C'est très vraiment, crédible. Je ne sais pas si on peut dire qu'il soit magnifique. Oui, c'est bien fait. Quoi. Oh, mais t'as un beau sang, c'est au moins du A+. Hein. Au moins du A+. Enfin bref, ta gueule. Non, mais sérieux. Non, c'est vraiment très, très très chouette. Ouais, voilà. Ton coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est pas mon coup de gueule déjà. Oui, déjà, il n'y a pas de coup de gueule. Il n'y a pas de coup de gueule, j'aime bien. C'est pas mal. Mon coup de cœur dans The Children, alors je crois que ça va être l'acteur du père, alors le père du petit et de la petite, j'aurais pu dire la relation entre le premier couple de base, mais c'est le père parce qu'il est mais tellement à côté de ses pompes, mais il le joue bien, mais il le joue vraiment très bien. C'est assez terrible, parce qu'on se dit, ce mec ne vit pas dans la même dimension que les autres. Non. Mais c'est voulu, hein. C'est pas l'acteur qui est mauvais et qui passe à côté de son rôle. C'est le rôle qu'on lui a donné et on se dit, oh mazette. C'est mon coup de cœur et en même temps, j'avoue que c'est très séparé avec cette famille reconstituée et ces liens vachement bien faits de c'est mon gosse, c'est ton gosse, c'est le nôtre. Oui, parce que ce contexte est là, c'est que donc cette famille qui vient
chez la sœur de la dame passer Noël. Donc, madame a une grande fille, monsieur a une fille moyenne, et madame et monsieur ont un petit garçon. Ah, donc c'est compliqué. Et en gros, madame, elle fait ce qu'elle peut avec sa grande, est complètement étouffée autour de son petit, et monsieur ne voit que par la sienne, hein, les autres, c'est à la foutre. Donc, c'est un problème de famille recomposée. C'est ça. C'est très ancré dans la réalité. Enfin, je veux dire, tous ceux vécu en famille recomposée savent qu'il y a parfois un problème. C'est pas toujours ça. Voilà, c'est un peu compliqué de trouver l'équilibre. Donc ça, c'est pas mal. Moi, mon coup de cœur, il ira aux enfants. Tout simplement. Elle aime bien les enfants. J'aime les enfants. Ceux-là, un peu moins, quand même. Hein, parce qu'ils sont pas... Tu pourrais pas les avoir, mais bon. Mais, et particulièrement pour cette tout petit bout de chou-là, qui en fait doit être la plus petite de la bande. Donc cette toute petite fille-là que vous allez voir. Ah, donc c'est la plus petite. Et qui a vraiment ce visage de poupée, de petite... poupette là que tu fais tout oui, trop mignon et là tu fais mais putain quelle saloperie mais trop mignonne quand même et c'est justement je pense qu'elle porte elle tout la complexité de ce film où les adultes tout ce qu'ils veulent c'est protéger les enfants et même parfois c'est... quand les enfants leur prouvent que c'est bien eux les tueurs voilà, et du coup c'est toute cette ambivalence que j'aime bien voilà. Moi c'est ça mon coup de cœur. Donc comment tu le classes? Ah! On va encore pas être d'accord. Non. Parce que j'y réfléchis depuis qu'on l'a vu. Je suis toujours entre le... avoir mais pas oublier. Que moi, je l'ai mis en oublier-moi en y réfléchissant. Parce voilà, qu'il a tous et les le critères. Oublier-moi. Il donc, je suis toujours déchirée entre les deux. Ah, et bizarrement, à chaque fois qu'on est déchiré, je suis oublier-moi et toi, t'es entre les deux. Oui, c'est vrai. Alors, je serais oublier. Je suis un petit peu plus dur. C'est vrai que je suis peut-être un petit peu plus dur. Oui, mais t'as tes raisons. Voilà. T'as tes raisons. Je suis peut-être un petit peu plus dur parce qu'il y a certains. Mais pour avoir vu la même journée, on précise, Pete ou autre, le film le vaut bien à mes yeux. Pas dans le même registre. Oui, mais comme clairement. Les autres, je les ai classés avant, oui, pour oublier ce donc, voilà, pas. On n'est pas d'accord, on attend votre avis, évidemment, voilà. C'est ce qui bien compte sûr, le plus. Si vous l'avez fait, si vous l'avez fait. C'est un film qui est si rigolo. Vous l'avez vu. Qui est rigolo parce qu'il est oublié, mais quand j'ai commencé sur YouTube, quand tu n'étais pas encore là, il y a 5... Il y a longtemps. 5-6 ans, maintenant, eh bien, c'est un film qu'on parlait beaucoup, qui avait marché et qui plaisait avait, bien aux gens. Son petit succès. Son donc, moment de gloire. Content de remettre donc un peu de projecteur oui, dessus. Oui, c'est plutôt sympa de le ressortir. Et puis, dites-nous ce que vous en avez pensé. Allez, tchuss. Crevez tous. Je suis un enfant. Ah, ça faisait Père Noël. Je suis un enfant. I think they're really sick. Oh my God, I love you guys so much. The children.